You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you could fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Et salut les Simracers, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un test d'un produit Simracing. Et aujourd'hui on va parler bien sûr du frein à main hydraulique de chez Sigmagic. Donc le nouveau frein à main TBRS de chez Sigmagic, ben, on va tout simplement le décortiquer. Donc évidemment je suis vraiment content de l'avoir reçu en avance. Maintenant peut-être que quand tu vas regarder cette vidéo, ben voilà, la sortie sera déjà disponible, donc je serai peut-être plus le seul à l'avoir. Mais pour le moment, pendant que je fais cette vidéo, je suis le seul ici en Europe de l'avoir. Du coup, je tenais à dire un grand merci à Sigmagic de me l'avoir envoyé. Et évidemment, un grand merci aussi à Sigmir d'avoir appuyé pour évidemment que je reçois ce nouveau frein à main. Et tout ça pour faire un test avec vous. Et bah, tout simplement, on va passer directement au déballage. C'est parti. Allez, dans cette partie de vidéo, on va passer au déballage de ce produit Sigmagic avec ce beau frein à main. Franchement, j'ai vraiment hâte de le déballer, les amis. Du coup, on peut retrouver vraiment une belle boîte. Franchement, là, Sigmagic met le paquet sur leur décoration de boîte. Vous savez bien que moi, je suis un mordu des emballages. Et là, honnêtement, il est vraiment très, très beau. Alors, en ouverture, on a évidemment la petite protection, comme d'habitude. Hop, on la met sur le côté. Ensuite, on retrouve une belle carte de garantie. Attention les amis, je roulement de tambour, je sais bien, je me répète à chaque fois, choisissez bien votre distributeur, parce que Sigmagic ne prend pas en compte la garantie, ça va être tout simplement votre distributeur qui va faire en sorte de pont, on va dire, que lui va prendre en relais la garantie, et voilà, s'il y a vraiment un problème ou quoi, ben, soit il va vous le réparer, soit il vous fait l'échange du produit, mais faites attention, n'allez pas l'acheter sur AliExpress les amis. Voilà, pas du tout, faut vraiment pas faire ça. Donc moi, pour ma part, je vais tout simplement choisir Simware.eu, donc voilà, qui est situé en Belgique, et qui peut aussi livrer dans divers pays, dans toute l'Europe, donc il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Et je pense même que c'est l'un des moins chers, donc allez jeter un petit coup d'œil sur leur site internet que je mettrai dans la description. Ensuite, on découvre ben, leur beau gros autocollant, leur beau sticker, franchement... il est énorme, moi j'en ai déjà un collé, donc le deuxième il va rester dans la boîte à mon avis. Donc voilà, toujours bien sympa. Ensuite, bah voilà, en termes de stickers, on est vraiment très gâté chez Sigmagic parce qu'on retrouve une petite pochette avec divers stickers qui sont vraiment très très sympas. Voilà, pour des petites décorations, pourquoi pas. En tout cas, ils sont vraiment très très beaux, je peux vous garantir, et de très bonne qualité. Ensuite, on retrouve le petit manuel, voilà, le petit dépliant comme j'appelle cela, hein, qui vous explique tout ce qu'il faut savoir, évidemment, pour ce frein à main. Mais bon, on s'en fout. C'est moi, le manuel, aujourd'hui. Alors, on retrouve quand même pas mal de choses ici. Donc, on retrouve un kit de visserie, avec plusieurs visseries, donc des vis qui vont servir à le fixer sur votre châssis. Donc, on retrouve aussi des clés Allen. On retrouve aussi la fixation pour les haptiques, donc pour un seul, évidemment. Donc, le fameux vibreur de chez Sigmagic. Mais bon, ça, on y reviendra directement dans la partie fiche technique. Mais voilà, vous allez être surpris, franchement, de ce frein à main, de ce qu'il peut faire, en tout cas. Donc, petite pochette de visserie qu'on va mettre gentiment sur le côté. Ensuite, on retrouve, bah, évidemment, un câble USB en type C tressé avec le coude. Alors là, franchement, ils ont vraiment mis le paquet. C'est pas vraiment les mêmes câbles qu'on peut retrouver habituellement chez Sigmagic. Là, ils ont fait un câble tressé de 1m80. Donc, ça laisse largement de longueur pour le brancher soit sur votre base
base ou soit sur le PC. Évidemment, quand je dis base, évidemment, une base Cinemagic, hein, sur les autres bases, n'essayez pas, ça sert à rien, ça marchera pas. Et ensuite, on retrouve, alors là, c'est la question. On reçoit un câble tressé aussi en RJ12, donc voilà, comme un câble internet, exactement le même. Il y a, vous allez voir, hein, une connectique en RJ12 sur le côté, mais par contre, je ne sais pas où est-ce que ça se branche. Au début, j'ai cru que ça se branchait directement en Kenbus sur la base, mais alors pas du tout parce que ce n'est pas les mêmes modèles. Donc voilà, je ne sais pas si j'aurai la réponse d'ici la fin de cette vidéo, mais j'ai essayé quand même de chercher. Maintenant, si toi tu as la réponse, ben, je t'invite à l'écrire en commentaire, parce que là, franchement, honnêtement, je ne sais pas à quoi il sert. Alors évidemment, ce frein à main est hydraulique avec le système hydraulique du P1000. C'est exactement le même système. Donc on va retrouver ces fameux kits d'élastomères. On en a trois. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant qu'ils nous donnent les différents kits d'élastomères complets. Donc le premier kit, on retrouve évidemment un kit noir et rouge. Donc les noirs, c'est les un peu plus light, on va dire. Donc il y a gris, noir, c'est les plus light. Et après, nous avons le rouge et le bleu qui sont les plus durs. Mais bon, je ne vais pas me répéter. Si vous ne connaissez pas ces élastomères-là, je vous invite à aller voir la vidéo du P1000, car c'est exactement les mêmes. Et ça, je trouve ça vraiment bien qu'ils nous donnent un kit comme ceci. Car maintenant, si vous êtes en possession d'un P1000, ben, ça vous fait des élastomères gratuits avec. Donc voilà, pour divers réglages, ça peut bien servir. Donc, on a rouge et noir. Ici, nous avons un noir, du bleu et du rouge. Donc, à mon avis, celui-là, c'est celui qui est le plus dur. Et ensuite, on retrouve un gris et rouge. Donc, voilà, ça nous fait trois sets différents. En plus, qui sont complets. Il suffit de le prendre, de le changer, de le remettre. Voilà, il est complet, il n'y a rien à changer. Maintenant, vous êtes voilà, libre de faire divers réglages comme vous le voulez. Hein. Donc, et en plus de ça, il y en a déjà installé directement dans le frein à main. Donc, ça vous fait 4 kits d'élastomère. Donc, voilà, on ne peut pas faire mieux, je pense. Ensuite, en kit élastomère, bon, ici, ce n'est pas vraiment élastomère. C'est plus une bague en aluminium. De très belles couleurs, hein, j'aime vraiment bien. Donc qui va tout simplement servir à avoir une force encore plus dure au niveau des réglages. Moi personnellement, je l'avais utilisé pour le P1000, donc pour le pédalier. Et j'ai trouvé ça, cela, un petit peu abusé, c'était vraiment dur. Donc voilà, ça peut peut-être servir pour vous, mais pour moi, je n'aime pas trop. Ensuite, on retrouve, je ne sais pas comment on peut appeler ça, petit capuchon de fin. Pour le pommeau du frein à main qui est au-dessus, il n'est pas collé directement dessus. Donc, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait à part. Donc, là, ici, on a évidemment la petite protection pour retirer, évidemment, avec du collant pour le poser directement sur le pommeau de votre frein à main. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Et ensuite, on va sortir la dernière chose. Donc, le frein à main, il est bien mis. Donc, une petite mousse de protection, vous n'avez pas vu. Hop. Et voilà, on a le fameux frein à main. Il est juste magnifique, les amis. Quelle beauté, franchement. Alors, le petit truc, ouais, j'ai déjà un petit peu critiqué. Moi, j'aurais aimé de l'avoir, franchement, full black. Voilà. Maintenant, le petit aspect aluminium, parce que ce frein à main est en aluminium, je le trouve pas moche, mais j'aurais aimé vraiment de l'avoir en noir total, avec ici ce côté rouge qu'on connaît bien maintenant chez Cinemagic, hein. Donc une très belle couleur, avec on voit de ce côté-ci le réservoir hydraulique et évidemment le réservoir, donc on va plus appeler ça le cylindre d'élastomère. Donc voilà, franchement très très beau frein à main, la poignée est vraiment très agréable. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez là déjà pour ce déballage, mais moi franchement je suis satisfait. Allez, maintenant, on va passer à sa fiche technique de ce frein à main, donc le TBRS. Bon, du coup, ce frein à main n'est pas si lourd que ça. Il fait 1,35 kg, évidemment. Hein. Voilà, vraiment très, très léger. Pas si lourd que ça. Tout en aluminium, en alliage CNC. Donc, vraiment très, très belle finition, comme on peut voir. Alors, aussi, pour celui qui n'aime pas le pommeau ici, on peut venir le changer par n'importe quel pommeau universel, hein, c'est standard. Hein. Donc, on peut venir tout simplement le dévisser complètement. Bon, la tige, elle est un peu longue. Voilà, c'est fini. Waouh. Voilà, on peut venir remplacer ceci, comme vous pouvez le voir. Hein. C'est fileté,
standard, donc on peut trouver n'importe quelle gamme de pommeau pour venir le fixer. En attendant, je vais vite en profiter pour venir coller le petit logo Sigmagic dessus. Bon, en fait, pas la même bêtise que moi, je pense que c'est vachement mieux d'abord de le visser au maximum, comme ça votre logo sera bien centré proprement. Hop, on va essayer d'enlever le petit autocollant. Ah, c'est bon, on l'a eu. Hop, poubelle. Et on va venir bien le centrer bien au-dessus. Et voilà, une fois qu'il est bien centré, on appuie un petit peu. Voilà, hop, pour bien le coller. Et voilà, une fois qu'il est collé, ça donne cela. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas collé eux-mêmes. Bon, reste à savoir, mais ça fait toujours plaisir de, voilà, d'assembler un petit peu vos produits. Moi, je trouve, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, donc pour le pommeau, voilà, s'il ne vous plaît pas, vous pouvez le changer, il n'y a pas de souci. Donc évidemment, ce frein à main est compatible uniquement sur PC, à part si vous avez le petit boîtier pour passer sur PS4 et PS5. Mais ça, ce sera aussi pour une prochaine vidéo. Frein à main hydraulique, donc le même système hydraulique qu'on peut retrouver sur le nouveau pédalier P1000. C'est exactement le même. On a la cuvelle évidemment qui peut faire une rotation et ça, ça va servir tout simplement, si vous le voulez, en vertical ou en horizontal. Donc tout simplement pour le mettre en horizontal, nous avons deux visseries de chaque côté ici à retirer. Rien de compliqué, on va prendre une clé Allen qui est fournie par Sigmagic. On va venir retirer directement les deux visseries sur les côtés. Donc une fois qu'on a retiré les deux vis de chaque côté, tout simplement on a le droit à quatre positions sur ce frein à main. Donc on a la première ici en verticale, nous avons une deuxième position en verticale, mais un petit peu plus inclinée vers l'avant. Et ensuite on a les deux autres positions vers l'horizontale comme ceci, ou alors tout à fait droit. Voilà, là il est vraiment au maximum. Et tout simplement vous venez mettre les deux visseries de chaque côté comme ceci. Donc une fois que vous avez remis les deux visseries, voilà, on a un frein en vertical, bon, en vertical comme ceci, bon, comme ça il est en horizontal, mais voilà, comme ceci il est en vertical, voilà, ça peut être fun. Moi malheureusement j'ai pas le châssis prévu pour un frein à main en vertical comme ceci. Moi j'aime vraiment bien ce système, franchement c'est vraiment très plaisant de pouvoir en tout cas mettre à votre position préférée. Et voilà, le remontage se fait très facilement en peu de temps, on retrouve notre frein à main en horizontal. Enfin, là, il est en vertical, mais le plateau, il est en horizontal. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Du coup, voilà, moi, je le préfère comme ça, car mon châssis ne permet pas de le mettre, comme je vous ai expliqué, en vertical. Donc, on va le laisser comme ceci et on va continuer notre petite fiche technique. Alors, pour les dimensions en longueur, donc, il fait 178 mm. En largeur, il fait 95 mm. Donc, c'est très petit, hein. Et en hauteur, il fait 387 mm, donc voilà. Il est quand même assez haut ce frein à main, je trouve. Là, franchement, j'aime déjà le feeling que j'ai avec l'élastomère d'origine qu'il y a déjà à l'intérieur de ce cylindre de l'élastomère. Et du coup, je vais vous montrer cela. Donc tout simplement, nous avons une capsule qui, évidemment, est vissée sur un filet directement comme le P1000, hein, ça ne change rien du tout. Et ensuite, on retrouve directement le kit de élastomère à l'intérieur. Et on retrouve une capsule avec, évidemment, l'anthrax pour rentrer dans le élastomère. C'est pour ça qu'il ne bouge pas du tout. Et on a un autre kit de élastomère, donc du bleu, du gris et du noir. Donc voilà, après, vous avez votre préférence, comme ici. On a la trois autres, donc vous changez, vous pouvez modeler, hein. Vous pouvez retirer de là, mettre ici celle-là, faire comme ceci, voilà, pour faire un kit d'élastomère comme ceci par exemple. Enfin, voilà, on peut faire vraiment ce qu'on veut avec ces élastomères que je trouve vraiment très sympa, très facile à utiliser en tout cas, comme on peut voir, de très bonne qualité aussi. Et ensuite, pour remettre le kit d'élastomère, vous le mettez dans l'encoche, ça ne bouge pas, hop, on revient le revisser sur le pas de vis, c'est super simple, c'est très facile. Alors niveau fixation, ben voilà, on a ici de chaque côté deux trous pour venir mettre la visserie qui est fournie avec, hein. Donc on peut retrouver des vis comme ça avec des boulons par en dessous. Si maintenant vous avez un plateau avec des trous déjà filetés ou peu importe, même non filetés, on peut venir mettre évidemment ces fameux boulons et ou sinon vous avez pour le profiler alu.
Alors, comme on peut voir, on a trois jeux de vis, c'est tout simplement, si vous en perdez une, il y en a une de rechange. Et on retrouve aussi trois petites vis, comme ici. Et ça, tout simplement, ça va être pour le kit de vibreurs à placer sur le frein à main. Donc, ils en ont mis trois, on ne sait jamais si vous en perdez une. C'est toujours bien d'en avoir une en plus que de ne pas avoir assez de la perdre. Et après, voilà, vous êtes un peu emmerdé. Du coup, nous, on va prendre les deux petites vis. On va prendre la clé Allen. Et on va venir installer notre kit directement sur le frein à main. Alors, j'avais déjà fait, hein, évidemment, un débriefing un peu sur les haptiques. Mais j'en ferai une autre, évidemment, parce que j'ai reçu, évidemment, le kit pour le P2000. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Ensuite, on va prendre le fameux haptique, mais sans, évidemment, sa fixation. Parce que ça, on n'en aura pas besoin. On va le laisser dans sa boîte. Et on va prendre juste le kit de vibreur. Alors, ensuite, c'est vraiment tout simple. Nous avons la fixation pour le frein à main déjà ici. Donc, on a, comme vous voyez, une petite encoche qui va venir juste devant, hop, comme ceci. Et ensuite, nous avons les deux trous. Je vais les retirer, je vais vous montrer. Nous avons les deux trous ici. On va venir mettre les deux vis par en dessous. C'est un petit peu galère à les placer, je ne vais pas vous le mentir. Donc, avant de mettre, évidemment, la fixation, il va falloir l'installer avant sur ces quatre vis ici sur le vibreur. Donc, regardez bien le sens du câble. Moi, je pense que je vais mettre de ce côté-là. Comme ça, il est bien assez long comme ceci. Ouais, voilà. Alors, directement, on vient insérer les quatre petites vis dans le kit de vibreur. Voilà, une fois que c'est fait, mais tout simplement, on va venir l'installer comme ceci vers l'avant. Et on va le faire basculer vers nous en arrière. Voilà, comme ceci. Hop, on va prendre le frein à main, on va le retourner. On va bien regarder si on est en face des trous pour mettre la visserie. Parce que ce serait con d'abîmer les petites vis parce qu'elles sont vraiment très très fragiles quand même, je trouve. Et ensuite, tout simplement, on vient venir insérer les deux petites vis dans l'encoche. C'est un peu galère, il ne faut pas avoir des gros doigts de Hulk parce que là, ça risque de ne pas passer. Donc hop, on va prendre la clé Allen et heureusement qu'il nous fournit toujours des bonnes clés Allen. C'est chez Magic, ça pour ça, il n'y a vraiment pas de souci. Je pense qu'à la longue, j'ai à avoir un coffre à outils complet de clés Allen de chez Magic. Et une fois que c'est monté, tout simplement, on va venir le brancher dans l'encoche prévue pour. Car de l'autre côté, il va falloir mettre l'alimentation en même temps et ensuite le brancher en USB, évidemment ici en type C. Donc directement sur votre PC ou alors tout simplement, on peut utiliser le fameux câble RJ12. C'est tout simplement pour le brancher sur la base Sigmagic. Je ne savais pas à quoi ça servait exactement, mais je l'avais dit que je trouverais pendant la vidéo. Donc j'ai trouvé, moi je vais le brancher directement en USB. Car c'est plus facile pour moi. Ou tout simplement, vous pouvez le brancher, évidemment, sur le hub Sigmagic, qui est vraiment bien pratique. Donc moi, j'utilise le USB de ma base et de mon pédalier directement sur le PC. Et tout ce qui est accessoire, donc comme ici le frein à main et la boîte de vitesse, je le mets directement sur ce boîtier-ci. En plus, ici, j'ai une petite fixation imprimée en 3D. Donc hop, je le mets dans l'encoche. Et voilà, ça ne bouge pas du tout. On a deux trous, donc c'est facile à trouver, hein, ces petits fichiers-là sur Internet. Donc voilà, c'est vraiment bien pratique. Donc voilà pour la partie fiche technique et montage, parce qu'on a inclus les deux en même temps. Ouais, c'était plus simple, je trouve. Alors franchement, dites-moi en commentaire, les amis, comment vous le trouvez, avec en plus le kit de vibreur dessus. Il est un peu plus lourd, hein, mais il ne fait pas les 2 kilos. Je pense qu'ils font 300 ou 400 grammes, le kit de vibreur. Donc voilà, il est peut-être quoi, à 1 kg 600, 700 maximum. Du coup, les amis, on va placer évidemment le frein à main sur le châssis. Mais avant ça, on va parler un peu de son prix et de son logiciel. Let's go! Allez, maintenant, on va parler de son prix par rapport à ce frein à main TB-RS. Donc, tout simplement, il faut se rendre sur le site internet simwear.eu. Je mettrai évidemment le lien dans la description. Alors, n'oubliez pas que, évidemment, simwear.eu est une entreprise belge et que même si vous êtes de France, vous pouvez le commander, ça ne vous coûterait pas plus cher en envoi. Et je pense même qu'il est encore moins cher que certains distributeurs. Donc, allez jeter un petit coup d'œil. Et ensuite, on peut retrouver sur son site internet le frein à main à partir de 449 €. Et ensuite, vous allez me dire, punaise, il est vraiment cher. Oui, je sais, je sais, je sais.
Mais après, il faut pas oublier que c'est vraiment le frein à main hydraulique de haut de gamme de chez Simmagic. Après, à vous de voir si vous avez vraiment besoin d'un frein à main hydraulique ou si vous allez plus repartir ou partir tout simplement sur le TB1 qui est vraiment pas mal aussi. J'ai eu un bon moment. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'ailleurs, jamais ici. Mais honnêtement, il va super bien. Donc ici, on passe vraiment de la haut de gamme de chez Simmagic. Et pour de la haut de gamme, franchement, 449 € pour la technologie qui nous propose, c'est donné. Voilà, entre guillemets, hein, c'est donné. Et attention, je savais à l'avance, parce que je pense que cette vidéo pourrait sortir pour au moins le Black Friday. Et évidemment, Simweir.eu le fait. Et je sais qu'il va le sortir pour le prix de 419 €, donc ça fait une petite ristourne quand même de 5%. Je sais, c'est pas grand chose 5%, mais c'est déjà pas mal, je trouve. Mais bon, voilà, pour 449 €, je trouve vraiment que ça les vaut largement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport au prix de ce frein à main Simmagic. Allez, maintenant, on va passer à son logiciel. Donc, tout simplement, on va se rendre sur le site internet simmagic.com. On va télécharger, si vous ne l'avez pas déjà, le SimPro. Tout simplement, leur logiciel adéquat par rapport à l'écosystème Simmagic. Donc, une fois que vous avez installé, ou si vous l'avez déjà, vous installez le frein à main en USB sur la base ou sur le PC. Une fois qu'il est connecté sur la base ou sur le PC, vous allez tout simplement voir le petit point vert qui signifie que votre frein à main est bien connecté tout simplement au SimPro. Ensuite, une fois qu'il est reconnu par SimPro, allez toujours voir s'il n'y a pas une petite mise à jour, c'est très simple. On clique, on regarde s'il y a une mise à jour, s'il y en a une, on le fait. S'il n'y en a pas, il n'y a rien à faire, quoi, tout simplement. Hein. Et ensuite, on va directement dans les drives et on peut l'apercevoir. On clique dessus et là, vous allez voir plusieurs réglages à faire. Donc du coup, tout d'abord, il faut faire évidemment une calibration du frein à main. Donc on appuie sur le bouton et on vient tirer sur le frein à main, on appuie sur OK, et voilà, l'histoire est jouée. Et ensuite, on a, comme pour le frein des P1000 ou du P2000, des courbes, des zones mortes, enfin voilà, on a plusieurs réglages à effectuer. Et évidemment, si vous avez le kit de vibreur, on peut évidemment le régler, on peut régler les fréquences, enfin voilà. Vous avez divers réglages à effectuer pour ce frein à main. Et ensuite, vous allez dans votre jeu, vous l'assignez et le tour est joué. Il est reconnu par tous les jeux du moment, même par WRC. Donc voilà, je pense qu'on va faire un petit gameplay là-dessus. Et on va faire aussi un petit gameplay sur e-racing. Enfin voilà, on va tirer du frein à main les gars. Allez, c'est parti. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they block in your vision. But no, you can't listen, that shit is all fishing. Cause you want the power as long as you're dreaming. Éclair gauche, il est 30 mètres.
léger, très long. Soulage, gauche, 6 sur ciel, ensuite, droite et pareil. 60 mètres. Épingle gauche, pour droite léger, 100 mètres. Soulage, gauche, 6, bref, 40 mètres. Droite, épingle tard, 40 mètres. Droite léger, 50 mètres. Soulage, gauche, 6, bref, 40 mètres. Épingle gauche, ferme. Pour droite, 5, 60 mètres. Gauche 6, reste intérieur, 40 mètres. Gauche 6, soulage, 60 mètres. 40 mètres. Gauche 4, 2 qui referme, 30 mètres. Équerre droite, bilan. 30 mètres. Ouvrez épingle gauche, droite, équerre. Équerre droite, 40 mètres. Gauche 5, à la barrière, dans droite 4, gauche 4, bref, 40 mètres, droite 3, dans gauche l'étière, bref, 40 mètres, droite, épingle le tas, 30 mètres, gauche 1, 40 mètres, gauche 5, bref, 80 mètres, ciel, reste intérieur, soulage, 50 mètres, équerre, droite, 30 mètres, gauche 2, 30 mètres, épingle serré, gauche, pas corde, droite, 2, 1 qui referme. Gauche équerre, 30 mètres. Droite 5, 40 mètres. Frein, ciel, de suite. Droite 3, 100 mètres. Et voilà les amis, le gameplay est terminé. On va passer au mon avis personnel par rapport à ce frein à main TBRS de chez Simmagic. Frein à main hydraulique, salez-vous. Fouf, okay. Frein à main de Dieu les amis. Honnêtement, franchement, j'étais vraiment surpris par ce frein à main. Je pense qu'il est 10 fois plus haut que le TB1. Alors qu'autant que le TB1 marche super bien, mais oui, c'est rien à voir les amis. On a vraiment un feeling... franchement, le tirage, vraiment le pourcentage est vraiment très très carré. En plus de cela, bah, je le trouve super beau. Vraiment avec le look vraiment très adéquat de chez Simmagic. Le petit truc que j'aurais préféré, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est dommage qu'ils n'ont pas sorti une double couleur. Donc on aurait pu l'avoir en cette version-ci et ou alors en noir complet. Parce que moi, il m'aurait vraiment bien botté en noir complet avec le petit côté rouge ici, franchement. Comme ça, il a arrêté. Mais voilà, on va pas se plaindre. Il est merveilleux, il est vraiment beau. Il est beau à regarder, en tout cas. Alors, on a aussi la possibilité, comme je vous ai dit, hein, si vous n'aimez pas le pommeau, ben, on peut venir tout simplement le changer. Alors, pour le changement du kit d'élastomère, franchement, il n'y a pas plus simple. Ça prend quelques secondes, comme je l'ai fait pour le gameplay. Et honnêtement, on peut repartir vraiment directement. Évidemment, il faut refaire un calibrage. Voilà, ça c'est d'office, mais on repart directement avec le changement de kit de fait. Enfin voilà, ça prend quelques secondes et ça c'est juste nickel. Et moi, ma préférence, ben voilà, c'est le kit d'élastomère là. Le rouge, bleu avec le petit dernier noir. Après, vous pouvez faire comme moi. Moi, j'ai remplacé le petit dernier en noir par un bleu que j'ai repris tout simplement des autres kits. Donc voilà, ça je trouve ça vraiment super bien fait. Je trouve ça vraiment bien aussi qui nous donne la possibilité d'avoir trois kits. Plus le quatrième kit qui est déjà évidemment inséré dans le frein à main. Et ensuite, comme je vous ai expliqué, si vous êtes en possession du P1000, ben, ça vous fait des kits élastomères gratos en plus pour votre pédalier. Donc, tout bénéfice. Alors, on a quatre possibilités de réglage sur ce frein à main. Donc, comme je vous ai expliqué, en vertical, horizontal. Voilà, ça, c'est à vous de voir par rapport à votre châssis. Le système de vibration est-il intéressant? Comment dire que bah, moi, je ne trouve pas ça si fun que ça. Car tout simplement, comme je l'avais dit dans la vidéo, je ne vais pas passer ma vie à tenir le manche pour avoir des sensations vibrantes, on va dire, d'un côté. Oui, ça peut donner une immersion quand on tire le frein à main d'avoir quelque chose qui vibre.
parce que du coup on sent quand même dans l'habitacle, parce que voilà, si on fait du drift, bah, il faut bien comprendre que bah, évidemment le pédalier va vibrer, le volant va vibrer, le frein à main, le shifter aussi va vibrer, donc mais voilà, ici sur un simu, je trouve pas ça cela intéressant, mais c'est pas pour autant que je vais en acheter un pour le mettre dessus. Moi je trouve qu'il fait vraiment le taf sans ça. Après voilà, c'est juste une question de goût. Il y a peut-être moi qui ne va pas aimer, mais peut-être d'autres vont aimer. Du coup, de ce côté-là, vous êtes chacun libre de penser ce que vous voulez. Mais bon, moi, je ne suis pas très fan de ce kit de vibreur sur un frein à main. Et du coup, bah, pour le prix, oui, je sais, tout le monde va me le dire. Je le sais, c'est cher, 450 € pour un frein à main hydraulique. Mais voilà, comme j'ai expliqué, on part vraiment dans la haute gamme là. Maintenant, si vous n'avez pas le budget, bah, ne prenez pas celui-là. Prenez le TB1 qui fait largement le taf aussi, qui est très plaisant. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi vos réactions dans les commentaires. Je ferai vraiment un plaisir de les lire tous et de vous répondre à vos questions. Du coup, n'oubliez pas que j'ai aussi un Discord que vous pouvez venir me rejoindre et on peut parler de sim racing ou de produits divers, etc. Je mettrai évidemment les liens dans la description. Et vous avez aussi Insta, Facebook, TikTok, enfin voilà. Tous mes réseaux sociaux sont là. N'oublie pas aussi de t'abonner, c'est très important. Et de partager cette vidéo, c'est encore plus important. Et évidemment, de lâcher un petit like. Et nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures de Sim Racing. Allez, ciao, ciao! You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, waste your time, no more.